Alors Samuel, qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui? Une pieuvre. Salut les artistes, bienvenue sur dessinpourenfants.com. Moi c'est Gaëlle et voici... Samuel. Ouh, un autre Samuel qui dessine avec nous. Alors Samuel, qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui? Une pieuvre. Tu aimes les pieuvres? Ouais, beaucoup. C'est mon animal préféré. C'est vrai, avec toutes ces tentacules. Ouais. Samuel, de quoi on a besoin pour dessiner une pieuvre? Stylo indélébile. Une feuille. Oui, et puis des... crayons. Des crayons de couleur ou des stylos de couleur. C'est parti! Alors Samuel, notre pieuvre, on va la dessiner ici au milieu. On va commencer par dessiner un rond pour ses yeux. Voilà. Je sais que je suis pas très bien à dessiner. Hein. Un autre rond pour son autre œil. Voilà. Et puis, on pourrait encore dessiner d'autres ronds à l'intérieur pour les reflets. Des pupilles, un gros en haut à droite et un petit en bas à gauche. Super! Et maintenant, on va pouvoir colorier en noir. Comme ça, on a nos yeux de la pieuvre. Voilà, super! Et on peut maintenant dessiner un trait et un arrondi pour faire sa bouche. Voilà, avec... On peut faire une langue? Oui, on peut dessiner une langue. Et le reste, on peut dessiner... faire un trait sur la langue, comme ça, ça fait un peu... Oui, si tu veux, bonne idée. Super! On peut faire des arrondis comme ça sur les yeux pour les sourcils et puis ça donne un effet un peu sympa à notre pieuvre. Ouais, super! T'as fait déjà le visage de la pieuvre, Samuel! Elle est un peu énervée, mais... C'est vrai? Oui. Alors attends. Parce qu'elle a un peu plus le sourcil là que là. Ok, alors maintenant, c'est ce que je veux, en fait. On va commencer à dessiner sa tête. Alors on va venir ici et faire un gros rond. Parce que les pieuvres ont en fait 9 cerveaux. Ah, c'est vrai? Oui. Ouf. Oh là là, alors là tu en sais des choses. Oh, elles ont 9 cerveaux. Et maintenant on va commencer à faire les tentacules. Alors attention, on va faire des... Comment on appelle ça? Des tentacules? Ouais, des... Des vagues? Des vagues, oui. Comme ça, on peut en faire une comme ça, là, de vagues. Voilà. Un petit arrondi. Et on revient en arrière, comme ça. Et tu vois, là, c'est fin et là, c'est un peu plus épais. Voilà, on peut en faire une comme ça, de tentacules. Avec un petit arrondi et on revient en arrière comme ça. Super, on peut en faire encore une de tentacules comme ça. Avec un petit arrondi au bout et on revient en arrière. Tac. Super! Petite! Hey, mais elle est bien ta tentacule, on peut encore en faire, hein? Si tu as encore la place pour en faire 2, ce serait bien. Ou 6. Ou 8, en fait. Normalement, les pieuvres ont 8 tentacules, normalement. Ah, ok. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord, alors on va essayer d'en faire 8. C'est un peu pas comme le dessin. Alors, les tentacules, on peut les faire vraiment 3, 4, comme 5. On veut. Il y en a une qui part en l'air. On peut les faire vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oulala. Alors vous êtes libre de faire les tentacules. Est-ce que j'ose faire... Comme vous voulez. Alors là moi j'en ai Est-ce une. Est-ce que j'ose faire un petit plateau? Mais oui, tu es libre de faire comme tu veux. T'en as fait 8 toi? Oui, mais un petit plateau. D'accord. Ouh. Attends. C'est comme un serveur. Ah d'accord, ok. Un, voilà, il faut bien que les enfants y voient. 3, 4, 5, 6. Voilà. On peut en rajouter. Une qui est derrière. Faire 8. Ok.
Voilà. Et puis là, moi, j'en rajoute encore une. Un truchou. Tac. Et voilà. Et sous les tentacules, elle a des sortes de ventouses. Alors, c'est des petits arrondis. On peut les rajouter dessous. C'est comme on veut, si on veut les rajouter. Ou pas. Des tout petits arrondis. En fait, ça permet en fait à la pieuvre de s'accrocher. Ou identifier sa nourriture peut-être. Ah, c'est vrai. Waouh, tu en sais des choses sur les pieuvres. Et en fait, ils ont 9 cerveaux. Un pour la tête et 8 cerveaux pour les pattes. Pour les tentacules. Pour les tentacules. Waouh. Eh ben dis donc. Ils ont beaucoup de cerveaux, hein. Oui, alors là tu peux le dire, ouais. Voilà. Super. Waouh, Samuel, tu peux mettre ton dessin un petit peu plus au milieu. Voilà, comme ça les autres enfants, ils le voient. Alors moi, j'ai fait les tentacules seulement sur un côté. Enfin, non, des ventouses. Des ventouses. J'ai fait seulement sur un côté. Mais vous pouvez faire de tous les côtés. Ah. Vous êtes libre. Oui, bien sûr, les enfants sont libres de faire comme ils veulent. Et puis, si mais vous pas voulez... sur les têtes. Non, bien sûr. Parce que peut-être que les enfants font ça, mais je ne sais pas pourquoi. Et si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter des algues, vous pouvez rajouter des poissons. Moi, je vais faire ça. Moi, je vais rajouter des algues. Ok. Voilà. Alors, maintenant qu'on a dessiné notre pieuvre, Samuel, maintenant il nous reste plus qu'à la colorier. Voilà, c'est parti. Pieuvre. Jolie. Elle est jolie. Toi, tu l'as fait violette et moi, je l'ai fait rouge. J'espère que vous avez eu du plaisir. C'est le plus important, hein, Samuel, d'avoir du plaisir quand on dessine. Andy ? Cool. Alors, bah, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, les amis. À bientôt.